Hello tout le monde, comment ça va? Bon bah voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, une petite vidéo un petit peu sur l'hiver vu qu'on approche de Noël. Donc je vais pas vous faire patienter puis je vais vous montrer ce que c'est. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, je vais vous dire de quoi c'est. Je pense que vous avez vu ma miniature, j'ai quand même un carton dans les mains, hein, bien que vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est effectivement sur des pop, mais spécial. Vous savez très bien qu'il y a peu de temps, il y a eu un dessin animé qui est sorti il n'y a pas longtemps de chez Walt Disney, La Reine des Neiges 2, hein. Vu que le 1 ça suffisait pas, ils en ont fait un deuxième. Donc cette fois c'est des pop exclusivement sur ce dessin animé. Donc on va pas traîner et je vais vous les montrer. Allez, c'est parti. Le carton, il est là. Alors, par laquelle on commence? Allez, on va commencer par celle-là. Alors, il y a quelques temps, vous l'avez déjà vu. Elle est où? Oui, là-bas. J'avais déjà le petit renne, j'avais Sven. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, comme Moana aussi, vu que je fais la collection complète, là j'ai commencé aussi. Donc, pour la Reine des Neiges 2, ben voilà, je vais faire la collection complète. Donc la première, c'est Kristoff. Voilà. Alors si jamais, dedans nous avons Elsa adulte, Anna, Olaf, Kristoff, voilà, Sven, je l'ai déjà. Il y a Mathia, ou Mathias, ça dépend. Après, nous avons Elsa et Anna jeune. Nous avons le géant de pierre aussi. Et nous avons aussi le cheval d'eau. Donc, j'en ai déjà quelques-unes. Je ne les ai encore pas toutes, hein, mais j'y suis pas loin. Donc, là, vous avez vu, j'ai déjà Sven. Donc, ça en fait déjà un de moins. Là, c'est le petit Kristoff. Donc je vais quand même vous le montrer, hein, parce que en plus il a son sa petite guitare là. Voilà. Alors, je vais vous montrer le petit Kristoff avec sa petite guitare ou ukulélé. Ouais, c'est plutôt une guitare on dirait. Je sais pas trop. Mais la petite finition elle est sympa avec ses bottes super pointues. Voilà, elle est quand même sympa. Hein. Donc, nous avons le petit Kristoff, là, hop. Après, qui c'est que on va prendre? Qui c'est que j'ai? Alors, après, on va prendre celui-ci, hein. Celui-là. Alors, le suivant. Ah, c'est Elsa. Et je sais pas si vous avez vu là, hop, ici, nous avons un petit édition spéciale. Pourquoi une édition spéciale? Je pense, je sais pas. C'est marqué une exclusivité, mais je sais pas pourquoi. Donc on va les déballer pour voir ce que ça vaut. Ah, elle est sympa quand même. Elle est quand même pas mal. Tenez, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Elle est quand même sympa. Alors, je sais pas si vous voyez, si vous le voyez. Voilà, il y a des, quand même des petits motifs. Ils ont quand même fait réussir à faire des, refaire les motifs de la robe d'Elsa. Donc, c'est sympa. Avec son, il y a là, son collier aussi. Voilà, une petite pop sympathique. Alors là, ça nous en fait déjà deux. Après, on commence à rentrer. Bon, alors ça, c'est les c'est les standards, on va dire, de la collection. Alors, là. Après, laquelle on va prendre? Ah, prendre celle-ci. Qui dit la Reine des Neiges, dit forcément un bonhomme de neige, hein. Donc, évidemment, pas le choix, hein. Nous avons Olaf, où il est une bouille, avec
un sourire mais monstrueux. Alors, check le Olaf, celui-là, là, vous l'avez aussi en grande taille. Donc, là, je ne l'ai pas pris en grande taille, hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Ah, mais chouette. Oh, sympathique ce qu'ils ont fait. Alors, je le trouve... Il a... Ouais. Non, c'est bon, ils ont respecté les dimensions, c'est pas trop mal. Ah, il est chouette. Regardez. Le petit Olaf. Vous avez vu la tronche là, avec son sourire béant, c'est excellent. Et surtout ce que j'ai vu qui était vraiment sympa, en fait, si vous voulez, c'est sur ses fesses. Je sais pas si vous voyez. Il y a, enfin, sur tout son corps en fait, ils ont fait des petits flocons de neige imprimés dessus. Je sais pas si j'ai... Ah, ça fait un peu flou. Voilà, mec, c'est moi Olaf. Bonjour. Donc voilà, il est vraiment chouette. Avec, sans oublier, sa petite carotte. La petite carotte. Bon, alors on va remettre le petit Olaf dans sa petite boîte. Voilà. Hop, après, bah, on va continuer sur notre petite lancée. Hein. Hop. Notre quatrième petite pop d'aujourd'hui. Alors, c'est notre petite pop. C'est pas une décision spéciale, hein, mais c'est Anna. Ah, je vous ai dit hein, que c'était collection hiver, spéciale Reine des Neiges. Donc voilà, c'est Reine des Neiges. Je vous avais prévenu, hein. Mais, mis à part que ce soit que la Reine des Neiges, elles sont quand même super chouettes. Il n'y a pas à dire, elles sont vraiment chouettes. Et en même temps, je ne sais pas où je vais les mettre, parce que je vous montrerai, je tournerai juste un peu la caméra après. Vous verrez, j'ai quasiment plus de place. Donc, vu qu'on arrive gentiment vers les vacances d'hiver, j'espère que j'aurai le temps soit d'en racheter une, soit d'en construire une nouvelle pour avoir vraiment de la place pour pouvoir toutes les exposer parce que en fait elles se chevauchent l'une derrière l'autre. Donc assez de parler de ça, je vais vous montrer Anna, voilà, où je la trouve vraiment stylée. Elle est vraiment chouette comment ils l'ont fait avec ses petites bottines, sa petite veste violette. Elle est vraiment... Elle est sympa. Je trouve que... Ouais, elle est vraiment sympathique. Hop. Alors, on va la remettre dans sa petite boîte. Donc, nous avons déjà Elsa, Anna. Nous avons Olaf et Christophe. Nous avons Sven. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque encore Mathias. Le géant, nous avons Elsa et Anna jeune qui nous manquent, et nous avons encore... Ah, mais j'ai encore une pop. Attendez, bougez pas. Alors, elle est un peu plus grosse que les autres. Mais c'est toujours sur la Reine des Neiges. Donc, le cheval ou le géant, à votre avis? Eh ben... C'est le cheval, parce que effectivement, j'ai essayé de chercher le géant, pour l'instant, je ne l'ai encore pas trouvé. Mais, je le trouverai bien, vous en faites pas de soucis, je le trouverai. Donc, là, sur le principe, il va m'en manquer 4 pour finir cette collection, et on sera pas mal. Donc je vais vous déjà la déballer, parce que dans le carton, on ne la voit pas bien. Si j'arrive à l'ouvrir déjà. Hop. Oh. Ok. Donc, point de vue grandeur, elle est aussi grande que le dragon le maléfique que je vous ai montré la dernière fois.
Bon, alors voilà, là, voilà, nous avons le cheval. Il est stylé, je trouve stylé, parce que à la caméra, ça ne rend pas super. Mais vous pouvez le voir, là, il est tout transparent. Oui, il est vraiment chouette. Il est chouette. Bon, voilà. Là, on va le remettre dans... Enfin, je vais essayer de le remettre. Parce que pour l'instant, tant que j'ai pas... Ça vient comment, maintenant? Ah. Hop, on va essayer. Comme ça. Voilà. Hop. Bon, alors, comme je vous ai dit que j'ai plus beaucoup de place, je vais vous tourner la caméra, comme ça vous allez comprendre. Faut que je fasse comme ça aussi. Hop. Voilà. Comme vous pouvez voir là-bas en haut, ben là, ici, ici, ben j'ai plus vraiment de place. Donc va falloir agrandir. Donc on va essayer de faire ça pendant ces 15 jours prochains, pendant les vacances, et en espérant qu'il y a plus de place pour les futurs pop, parce que sinon c'est pas rigolo. Bon ben voilà, on a fait le tour sur cette collection de la Reine des Neiges. Donc il va en rester encore à première vue, j'avais dit combien, 4 encore à commander. J'espère que je pourrai les commander bientôt, comme ça je vous montrerai les 4 dernières de cette collection. Et puis, ben, à la prochaine, allez, ciao ciao.